présents, ils dormaient. Ouais. Ils n'ont pas montré ce que nous, on est. Ils ne nous ont pas représenté qu'on se bat jusqu'à la fin, les Turcs. Alors que nous, quand on se met quelque chose dans la tête, on va jusqu'au bout. Et nous, on s'était dit, l'Espagne, on va perdre, c'est sûr, mais au moins faire un 3-1, mais au moins battez-vous, montrez qui on est. Les Turcs, il leur fait toujours un dernier moment pour accomplir quelque chose, vous voyez. Là, ils sont vraiment à la fin, c'est le dernier match, c'est le tout pour le tout, et là, je pense qu'on va gagner. Ça a toujours été comme ça chez nous. Je suis française, je suis pas d'origine turque, je soutiens la France dans l'Euro, mais ce soir, je suis avec ma copine qui est d'origine turque, et d'habitude, je suis pas le foot, mais pendant les Coupes du Monde, Coupes d'Europe, j'aime bien regarder, et voilà. Par contre, si jamais la France joue contre la Turquie, je soutiendrai la France, c'est obligé, je suis désolée, servile, excuse-moi. Mais ce soir, je dis, vive la Turquie et vive l'amour entre les peuples. Voilà. Bah aujourd'hui franchement ça a été au top, ils ont été super, ils ont pas lâché jusqu'à la fin et franchement j'étais fière d'eux. Jusqu'à la 90e minute ils étaient à fond et franchement nickel. Ces dernières années, la Turquie, elle a pris une forme très, très différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Tout est géré par le gouvernement. Donc même à l'heure actuelle, les joueurs qui ont été sélectionnés, c'est des joueurs qui ont été sélectionnés. On ne sait pas d'où ils sortent. Moi, je ne sais pas trop comment ça se fait la sélection, mais mon avis étant. Moi je pense qu'il y a un coup politique dans le sens où aujourd'hui l'État, le gouvernement en Turquie met son nez partout. Regardez, là je suis turc, mon ami il est kurde, on est dans une table, vous voyez, je réponds très bien à votre question, non? Et dans la sélection, il y en a ils sont kurdes, il y en a ils sont turcs, ils jouent le même jeu, il y a la fraternité. C'est football, c'est sport. Il ne faut pas entrer dans le sport politique normalement.